Sawadika! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je suis, comme vous pouvez le voir derrière moi, à l'école BCIS avec son directeur, avec Laurent Mangeli. Bonjour Laurent. Bonjour Kathleen. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Ça va bien? Ok. Avant de démarrer donc le sujet de la vidéo du jour qui va être cette école française à Phuket, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On approche tout doucement des 10 000 abonnés, donc il vous suffit juste de cliquer en dessous. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi ou à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Donc Laurent, raconte-nous un petit peu déjà, depuis toi, combien de temps es-tu arrivé en Thaïlande? Eh bien, ça fait maintenant 12 ans. 12 ans. 12 ans en Thaïlande et je suis arrivé, oui, en 2010. D'accord. Avec quel projet en tête quand tu es arrivé? Eh bien, au départ, c'était à l'arrivée, tu sais, les réseaux sociaux, Skype, qui m'ont permis de travailler à distance. J'avais en fait découvert que je pouvais travailler en Thaïlande sans que mes clients, parce que j'étais dans le domaine... Qu'est-ce que tu faisais, voilà? Oui, j'étais dans le domaine des plantes. Je suis spécialiste des plantes depuis le Danemark et la Hollande. Ok, rien à voir. Voilà, okay. Et donc mes clients français donc me voyaient régulièrement. Et lorsque j'allais en vacances, je gardais le contact et grâce à Skype, je pouvais faire le commerce. Je te dis, je peux travailler voilà, au soleil. Au soleil. Et ils s'en rendaient pas compte. Ouais. Et cette idée a fleuri et je pensais, parce que mon épouse est thaïlandaise, je pensais que venir en Thaïlande lorsque je serai en retraite et finalement je suis venu avant. Oui, en effet. Et donc ton épouse, tu l'avais rencontrée en France, en Thaïlande. En Thaïlande. Pendant les vacances. Pendant les vacances. Et ensuite elle m'a rejoint en France. Nous avons vécu en France. D'accord. Et nous sommes papa et maman de... trois filles. Trois filles. Et elles parlent français, elles sont françaises, elles sont franco-thaï. Et ta femme parle français? Elle parle français aussi. Et tu parles le thaï? Et j'ai eu ma première leçon de thaï hier. Après 12 ans. C'est pas bien, hein? Non, c'est pas bien. Et, ok, d'accord. Donc la Thaïlande, c'était quand même... Toi, tu venais quand même assez souvent. C'était un pays qui te plaisait déjà depuis un petit moment. Oui, c'est un pays qui me plaît par sa stabilité climatique. Le pays du sourire, la philosophie de vie. Comment a germé l'idée de créer une école? Alors au départ, j'avais pas d'idée d'école. Ouais. C'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de continuer mes affaires dans l'import-export de plantes. Et j'avais mis mes enfants dans une petite école de langue. Cette petite école de langue a fermé et les parents m'ont demandé: Laurent, est-ce que tu peux pas faire une école? D'accord. Et ma foi, naïvement, j'ai pensé ouvrir une classe, une cour de récréation, voilà, d'une façon très simple. Ouais. C'est pas bien, faut pas le faire, mais je l'avais fait d'un bon fond. Ouais. Et donc ça a aidé quelques parents, dont mes enfants, et c'est comme ça que j'ai commencé une toute petite école. D'accord, ok. Et cette petite école a grandi, oui, arrivé à 75 élèves, et la demande des parents s'en est trouvée grandissante, plus exigeante, et donc j'ai dû... Des francophones. D'accord. Et nous étions dans une école internationale déjà existante. Voilà. D'accord. Et donc là, tu as vu qu'il y avait au fait une demande au final, que tu voyais qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient mettre des enfants à l'école et tu disais, mince, peut-être que c'est trop petit. Ben, je voyais surtout que je devais faire les choses d'une façon différente et beaucoup plus professionnelle dans l'éducation. Et il fallait avoir une structure beaucoup plus adaptée et conforme. Parce que là, maintenant, là où nous sommes, c'est quand même quelque chose qui n'a plus rien à voir avec une toute petite école. Là, c'était une libre expression. Ouais. Alors, cette école ne s'est pas faite sans mon cher Claude Berda, d'où le nom de l'école. D'où le nom, parce que BC, c'est Berda Claude et International School. C'est ça. Et donc, Claude Berda, mon mentor, celui qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de réaliser l'école dont je rêvais. D'accord, ok. Et donc là, cette école maintenant a combien d'élèves là, en janvier 2023? Alors, on approche les 900 élèves. C'est vrai? Oh, oui, c'est une progression qui est assez, assez forte, qui historiquement, par rapport aux autres écoles sur l'île, Et significative. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as comme nationalité? Alors, parce que je sais qu'en effet, c'est une école francophone à la base. Oui. Et maintenant, elle s'est quand même diversifiée dans plusieurs langues, au fait. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, comme... d'abord, on a deux curriculums. Ouais. Donc, une seule école et deux programmes bien distincts. Okay. Tu as le programme de Cambridge. Okay. Et tu as le programme
français de l'éducation nationale, sous la tutelle de l'AEFE. Nous sommes partenaires avec l'AEFE, qui est l'agence de l'enseignement pour le français à l'étranger, et qui permet de faire partie d'une grande famille scolaire. D'accord. Donc 520 établissements dans le monde. D'accord. Donc en fait, tu as principalement les deux. Donc si quelqu'un est anglais et parle pas du tout français, il peut quand même s'inscrire à l'école. Tout à fait. Les parents ont le choix d'inscrire leur enfant dans le programme de Cambridge et à ce moment-là d'aller directement sur le programme anglo-saxon, ou bien suivre, et c'est ce que je préfère, le français à l'international et adhérer. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a de l'anglais pour les Français qui viennent ici, voilà. Il y a quand même des cours d'anglais. Voilà, on est dans un environnement, bien entendu, où la langue anglaise est le permis de conduire, mais le français reste notre force et notre différenciation. C'est très important de garder, je pense, l'identité de ses parents, tout en s'enrichissant de l'anglais. Ils apprennent le thaï aussi, les enfants, ici ? Oui, alors les binationaux ou les thaïlandais doivent avoir 5 heures de thaïlandais par semaine. D'accord. Pour les étrangers, ils doivent avoir une heure de culture thaïlandaise par semaine. C'est obligatoire. D'accord, c'est obligatoire. Mais la langue, les cours de langue ne sont pas forcément obligatoires. Non. Pour les autres. D'accord, ok. Et au niveau j'imagine que maintenant, je parle dans mes vidéos de l'arrivée quand même assez massive des Russes, là, ces derniers temps. Est-ce que maintenant tu as un programme russe en développement, quelque chose comme ça, à l'école ? Alors nous avons accueilli dès 2017, puisque l'école a 5 ans, depuis 2017, nous avons accueilli la communauté russe au sein de l'école, où gracieusement nous leur offrons 2 salles de classe. D'accord. Pour permettre aux enfants russes de garder, encore une fois, la culture de leurs parents et l'enseignement du russe, mais pas seulement les mathématiques, l'histoire, la géographie, qui sont importants pour nos élèves russes. Et l'anglais aussi, du coup. Et l'anglais, bien sûr. Alors, les Russes peuvent choisir le point français. Ah oui ? Oui, et ça fonctionne très bien. D'accord. Ou bien le programme anglais. D'accord. Combien tu dirais qu'il y a maintenant de Russes, là, d'enfants russes à l'école ? On est à peu près sur 20%, 40%, 40-41% de Thaïlandais ou bien binationaux, toutes nationalités, c'est-à-dire franco-thaï, franco-thaï, thaïlandais. Et ensuite, après, nous avons toutes les autres nationalités. D'accord, ok. Donc ça va de quel âge à quel âge, là, l'école ? Des tout petits-petits jusqu'à la terminale ? Comment ça se passe ? Alors, on commence à 2 ans. D'accord. 2 ans. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'au bac. Jusqu'au baccalauréat. On peut passer son bac ici, au fait. Alors, on passe le baccalauréat à Bangkok. D'accord. Donc, on est lié avec Bangkok et le centre d'examen est à Bangkok. D'accord. Combien il y a d'élèves en terminale, pour avoir une petite idée ? Parce que toujours que c'est des petits qui sont ici, alors qu'en fait, il y a quand même des grands. Ah oui, alors, dans le programme français, ils sont 2. C'est vrai ? 2, oui. Bon, il y a 30% de réussite au bac, On y arrive, on y arrive. Les statistiques sont bonnes. Avec une mention. Super. Non, mais voilà, je me demandais combien, justement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants petits, en âge primaire et un peu collège, mais je me demandais justement si au niveau lycée si ça continuait, donc ça va évoluer sur le effectivement, la santé d'une école comme BCS qui démarre, on la juge par rapport aux petites classes, parce que les petites classes montent à des niveaux supérieurs, donc c'est normal. Le profil type des parents, d'élèves, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des gens qui sont des expatriés qui travaillent à l'étranger depuis un moment ? Est-ce que c'est des gens qui viennent plus d'arriver dernièrement et qui sont en projet de vivre en Thaïlande ? Est-ce que tu as un profil un peu type des parents ? Oui, alors ce qui est bien, c'est que les parents français planifient. Je parle des Français, c'est vrai que là on parle des Français, je ne parle pas des Anglais. Voilà, les parents français planifient, on voit bien qu'ils ont des demandes un an, voire 2 ans en avance, donc ce sont des projets de vie. Très peu de Français partent sur un coup de tête, et je dirais ce sont souvent des chefs d'entreprise en France qui ont déjà un revenu, des revenus de base, ça peut être des rentes, ça peut être leur entreprise qui continue et qui peut être pilotée à distance. Vous pouvez avoir des informaticiens, des gens, des digital nomades qui peuvent travailler. En fait,
Covid a accéléré la mentalité de travailler à distance et de piloter ses affaires à distance. Et donc il y a eu une arrivée assez importante dernièrement. On était à peu près une centaine d'élèves et ils nous sont passés à 200 entre juillet et septembre français. Ah oui, d'accord. Ouais. Et au fait, les gens arrivent un petit peu tout au long de l'année ou alors vraiment tu as une grosse arrivée pour septembre pour la rentrée scolaire? Alors, nous avons des inscriptions toutes les semaines. C'est vrai. Des visites tous les jours, entre 3 et 10 visites jour. Okay. Donc on sait qu'il y a encore une arrivée d'environ 300 à 400 élèves sur les prochains 6 à 8 mois. D'accord, donc tu sens que là c'est vraiment une vague qui est en train de... Mais elle est au début, oui, en fait, oui. Tu sens que c'est en train Les gens recherchent une qualité de vie, tu vois. Ils recherchent une qualité de vie. Ça reste encore abordable. Il fait 28-30 degrés tous les jours, donc c'est agréable. Mais il faut, quand on vient en Thaïlande, on s'expatrie en Thaïlande, il faut apporter une valeur ajoutée. Il faut éviter de prendre un petit peu le métier d'un Thaïlandais. De toute façon, officiellement, on ne peut pas le faire oui, également, mais essayer d'apporter quelque chose au pays. Et là, ça devient une belle intégration. Combien ça va coûter de mettre son enfant à l'école? Parce que souvent, c'est ce qu'on me demande, les prix de la scolarité pour les enfants à l'étranger. Donc, je sais que ça augmente avec l'âge, au fait. Donc, les prix de départ, est-ce que tu as ça en tête? En euros, peut-être? Ouais. En euros? Oui. Alors, en euros. Alors, en euros, en maternelle, on est à 650 euros par mois. Ensuite, nous sommes à peu près 860 euros par mois pour la primaire. Ouais. Et ça monte à 1000 euros par mois au secondaire. Collège, lycée. Tu as le droit de dire que c'est cher. Moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai un cochon, ça me coûte moins cher. mais oui, c'est cher et bon, en plus, si vous en avez deux enfants, hein, on fait tout ça fois deux. J'en suis conscient, Kathleen, je suis conscient, c'est pas évident quand on sait qu'on aimerait une école pour tout le monde. Oui. On aimerait une école où tout le monde peut adhérer à une belle infrastructure, je le comprends, mais on se doit d'avoir un minimum d'encadrement, un minimum de qualité d'enseignement. Il faut que les professeurs, qui est quand même la masse salariale est la plus importante dans notre établissement, donc les professeurs, pour les motiver à venir, ils viennent du monde entier, et donc il faut qu'on les rémunère correctement. Aussi, qu'on les fidélise, puisque en fait la qualité d'une école, c'est sur la stabilité des professeurs. Et puis ensuite, après, qu'on ait un minimum, une nourriture saine, que la sécurité. Il y a pas mal d'infrastructures aussi dans cette école. C'est vrai que ce n'est pas une école comme par exemple moi, là où j'ai été à l'école quand j'étais enfant en France, je n'avais pas tout ça. Et je vais vous montrer un petit peu aussi toutes les infrastructures qu'on va aller voir après. Mais dans ce prix-là, les enfants ont accès à quoi sur le campus, au fait? Il y a tellement de choses. Alors, j'ai voulu cette école qui soit la plus inspirante que possible. Donc je dirais, on n'en fait jamais assez. Oui. Puisque il y a tellement d'enfants et tellement de... Chaque enfant doit trouver sa clé d'or pour sa future orientation et carrière. Donc cette école, on l'a bâtie en pensant à avoir une certaine organisation. On part, par définition, l'enfant va être à peu près 13 ans dans l'école. D'accord. 13 années, c'est long. Et donc, pendant ces 13 années, l'enfant va se chercher, va découvrir, et l'école doit être un espace de découverte. Donc, nous avons voulu organiser, tu vois, le pôle social, le pôle technologique et informatique, une autre section où c'est scientifique, une section artistique, performance artistique. Et bien sûr, un grand complexe sportif, puisque le sport réunit tout le monde, il y a une mixité, il y a les langues, l'anglais, le français, tout ça cohabite, toutes ces 43 nationalités cohabitent autour du sport, les rencontres inter-écoles, des petits champions que l'on découvre. Donc l'école, c'est ça, ça doit être un palais de la découverte. Voilà. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a donc? Là, je vois par exemple, à côté de nous, on a un piano. Donc est-ce qu'il y a des cours de musique aussi, par exemple? Si les enfants veulent faire des cours de musique, ils peuvent le faire à l'école, des choses comme ça. Alors, l'avantage d'avoir démarré BCS, c'est que j'ai voulu dès le départ assurer que les enfants, on leur fait confiance.
Et donc, effectivement, tu viens de le nommer, je ne pensais pas que tu allais en parler. Mais je le voyais d'ailleurs. Il y a un piano à queue. Première réflexion d'un éducateur, c'est « Oh non, ne laissons pas un objet de cette qualité, de valeur, aux enfants, ils risquent de le maltraiter, de ne pas s'en servir correctement. » Eh bien, pas du tout. Mm-hmm. Et tu remarqueras, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de détérioration de matériel. Puisqu'en fait, on explique tout simplement aux enfants que ça a été difficile d'abord de faire venir un piano, de faire venir tel... Il y a un travail derrière. Mm-hmm. Et tout ça, ça porte sur du respect de ce que l'on a. Et que si on le casse, on ne va pas forcément le remplacer. Donc, ça a des désavantages. Mm-hmm. Eh bien, tu sais, c'est comme une petite boule de neige. Elle grandit. Et donc, on arrive à avoir une ambiance où les élèves sont respectueux mm-hmm. de ce qu'ils ont. Mm-hmm. Et satisfaits de ce qu'ils ont. Et ils découvrent que... Ben, que leur école est différente, mm-hmm. que leur école forge une identité. Et c'est leur identité aussi. Est-ce que quand même tu as des choses qui se passent, est-ce que tu as ben, des petits problèmes de dégradation, de choses comme ça? Est-ce qu'il y a du monde dans le bureau du proviseur? Alors, ou pas? Bon, la chose auquel on... Bon, c'est je vais pas dire que c'est un jeu, mais c'est normal, il faut désobéir pour mm-hmm. avancer. On a des règles, mais il faut désobéir de temps en temps. Donc ça existe, parce que tu me peins quelque chose de parfait. Je me dis quand même, ça reste des enfants, ça reste des ados, et oui. ça reste un petit peu justement dans la provocation. Alors, parfois. Effectivement, si on commence à avoir des élèves qui commencent à chahuter, mm-hmm. il y a deux façons de faire. On laisse et puis on punit et on n'avance pas vraiment, ou bien on va directement à la rencontre des élèves et on essaie de comprendre leur motivation, d'aller dans ce sens. Mais il faut prendre cette situation dès le départ. Si on la laisse grandir, comme on l'a laissé grandir les quelques mois qu'on a ouverts entre avril et juin, mm-hmm. eh bien, l'école, en quelques mois, n'a plus d'organisation. Mm. Et donc, on l'a vécu, justement, entre l'ouverture, tu sais, les classes, on ouvrait, on fermait avec le Covid, et on ne voulait pas être trop sur les élèves. Donc, on a laissé un peu passer les choses. Ben, on s'est rendu compte que on veut des limites, on veut naviguer entre des limites. Voilà. Oui, bah, c'est aussi ça, l'école, hein, c'est un cadre et une structure et des règles. Le téléphone, oui. L'écouteur caché derrière les cheveux. Ouais, c'est pratique. Voilà. Il peut y avoir un peu de harcèlement aussi. Mm-hmm. Tu sais, comment attirer l'attention de telle ou telle personne, comment communiquer son mal-être ou comment s'intégrer. Bon, ben ça fait partie de la vie des élèves. Est-ce que ça t'est arrivé de devoir mettre à la porte des élèves? Oui. Oui, ça t'est arrivé. Oui, à mon grand regret, puisque c'est en fait une décision ultime, mm-hmm. mais quand un élève est un danger pour lui-même ou pour les autres, alors, la dernière personne qui a dû quitter l'établissement, c'était un problème important psychologique mm-hmm. et qui ce n'était plus possible, on n'avait pas la structure pour... Oui, non, mais c'est sans rentrer dans les détails, je voulais savoir quand même si ça arrivait aussi, ça peut arriver de se faire virer de BCIS, hein, ça peut arriver. Ça doit être rare, mais ça arrive. Ça arrive, ok, d'accord. Donc on parlait aussi des infrastructures, et je sais, alors tu vois, on parle du piano à queue qui est là, mm-hmm. en face de moi j'ai un planétarium, donc ça encore quelque chose qu'on ne trouve pas hein, dans les écoles en France la plupart du temps. Tu as voulu faire ça pour encore une fois éduquer les élèves, leur montrer peut-être quelque chose de différent. Quelle était l'idée derrière ? Alors, je m'intéressais à l'espace depuis un moment et je me suis dit, mais comment peut-on faire comprendre tous les jours à nos élèves sans devoir forcément leur parler, leur faire comprendre là où on veut les guider mm-hmm. Et je me suis dit que si on s'élève, tu sais, c'est comme on voit les choses de haut, on peut mieux analyser. Ah, de la hauteur, bien sûr. Et donc, le planétarium était devenu... est devenu essentiel pour nous, puisque ça permet à nos élèves de dire, mais mince, la planète Terre, qu'est-ce que c'est ? Mm-hmm. C'est un grain de sable. On n'est pas grand-chose. Dans l'immensité. Mm-hmm. Et on est, à l'échelle de l'univers, insignifiant et ignorant. Mm-hmm. Et donc, parti de ce principe-là, on doit s'entraider. De partir de ce principe-là, on doit protéger notre planète. On n'a rien d'autre. Mm-hmm. On doit aussi... évoluer, donc si on va sur l'informatique, sur la robotique, sur les sciences, faire grandir l'homme. Et je pense que si on occupe l'esprit de l'homme et de nos générations futures à faire des choses qui ont du sens, quelle que soit la direction que l'on prend,
eh bien on aura gagné. Quel que soit le métier qui est fait, que ce soit le métier qui demande le moins d'études possible ou celui qui demande le plus, le principal c'est de savoir comment on utilise ce qu'on a appris et de s'assurer qu'autour de soi on fasse du bien. Si on ne fait pas ça, c'est dur, hein, on ne réussit pas toujours, on a nos tempéraments, mais si on s'efforce et on le travaille, eh bien on y arrive. Oui, oui. Et donc ça crée une philosophie dans une école. Ce sont des paris sur de très long terme. Est-ce qu'on aura des petits BCIS ailleurs? Comment on peut aider les écoles qui ne peuvent pas avoir forcément de moyens? Comment on peut motiver ceux qui ont des moyens pour s'investir dans l'éducation, puisque c'est la seule chose qu'on va laisser à notre descendance? On est tous issus de l'école. Tous les êtres devraient, ou en majorité, passent par l'école. Donc au final, on réussit sa vie que si on a nourri l'éducation. On devrait pouvoir, dans le travail qui est le nôtre, arriver à regarder chaque élève en lui disant « T'es heureux, t'es content, tu fais ce que t'aimes, que tu sois meneur, suiveur, c'est pas grave, est-ce que tu fais ce que tu aimes ?» Voilà, je fais une petite part. Tu fais ce que tu aimes. Je fais une petite part. En fait, il faut trouver son bonheur dans tout ce qu'on fait. Alors, je vais profiter que tu dis ça pour te dire que j'ai distribué des journaux, 500 journaux par jour. J'ai trouvé mon plaisir dedans. Le calme, la nuit, les petites mamies qui attendaient le journal le matin, les petits chocolats à Noël. J'ai distribué des journaux. J'ai nettoyé les toilettes chez les horticulteurs. Donc, il y avait beaucoup de boue. Mais le plaisir, c'était de les voir heureux et de les entendre dire « Oh, dis donc, mais qu'est-ce que ça sent bon !» Ils ne savaient pas que j'entendais derrière. Mais je prenais du plaisir à rendre service aux gens. Parce que je sais que tu as ouvert un centre sportif il y a peu de temps. Hein, ça fait vraiment quelques jours. Et maintenant, donc, on peut skier à Phuket. Alors, j'ai entendu ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'ayez pas peur, il va nous expliquer ce que c'est. Mais on peut faire du ski maintenant? Ben alors, tu sais, dans l'esprit de différenciation, c'est-à-dire qu'en fait, d'apporter, pas être une énième école qui fait les mêmes choses, et j'ai voulu des activités qui soient dans l'égalité garçon-fille. Donc ça a commencé par, bien sûr, la musique, les tables de billard, et j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'on a comme autre sport qui aurait toute sa place dans une école? Donc un sport olympique. Et donc j'ai découvert qu'il y avait des ingénieurs qui étaient capables de faire des plateaux avec, c'est comme un tapis roulant, tu sais, par 11 par 6 mètres, et donc avec une légère humidification du tapis, eh bien tu peux skier et tu skies à l'infini. Et je me suis dit, waouh, ça va vraiment impressionner nos élèves. Et donc c'est parti de là. À cela, j'ai rajouté un pôle gymnastique, donc un pôle gymnastique avec la société Gymnova, qui est le fournisseur officiel des équipementiers pour les Jeux Olympiques. D'accord. Donc un équipement de qualité. Ensuite, espace d'arts martiaux, l'espace fitness. Alors ça, c'est dans l'esprit pour que les parents se rencontrent, parlent de l'école, pour les parents d'élèves, ça. Voilà, qu'ils puissent utiliser l'espace fitness. Peut-être que Serge. Voilà, vient nous rejoindre. Je pense souvent à lui d'ailleurs. D'accord, bah, je lui dirai, hein, viens faire un petit coucou. Voilà. Et puis après le troisième étage, le centre sportif qu'on le connaît avec le badminton, le basketball, le handball. Ça, ce qu'on avait dans les écoles, ça, on les avait, les cours de basket, les cours de badminton, ça, on avait. Par contre, la piste de ski, ça, on l'avait pas. Mais t'as pas fait comme à Dubaï, quand j'ai entendu ça, tout le monde a dit, oh, il a fait la piste de ski comme à Dubaï avec la pays chaud. Non, il a pas fait ça, ne vous inquiétez c'est un tapis roulant. Ouais. Voilà, c'est... Okay. Donc ça c'est quand même oui. Hein. Bah écoute, alors moi j'ai pas fait de snowboard depuis plus de 10 ans maintenant. La prochaine fois j'essaye. Oui. Je pense qu'on va rigoler. Hein, Je pense que pour travailler en tant qu'enseignant, ce doit être un cadre un peu de rêve hein, quand même. Je pense que là tu les fais rêver. Peut-être un enseignant qui travaille en France dans une zone un petit peu compliquée et que là il voit ça, il va se dire mais moi aussi je vais aller travailler là-bas. Donc comment ça se passe pour recruter des enseignants, que ce soit des petits, pour les petits élèves jusqu'aux professeurs plus âgés? Alors on poste nos
sur enseigner à l'étranger lorsqu'on a des disponibilités. Donc les professeurs après peuvent postuler sur notre email info@bcsphuket.com et ensuite après on sélectionne les CV. On fait attention aux professeurs pour une première expatriation. Voilà, tu vas dire quels sont les profils au fait qui vous plaisent. Eh bien, ce que l'on souhaite, c'est de s'assurer que le professeur va aimer son expatriation. Donc, on essaie de lui donner tous les points positifs, mais aussi tous les points négatifs d'une expatriation en Thaïlande, qui est par exemple les visas de travail. Tous les trois mois, il faut pointer à l'immigration. Vous prenez en charge quand même. Alors, on prend en charge tout cela, le permis de travail également. Mais on s'assure que le professeur vienne en âme et conscience. Oui, oui. Voilà. Oui, c'est pas juste des plages. D'ailleurs, quand on travaille ici, bizarrement, tout le monde nous dit « mais vous n'êtes pas bronzé ». On dit « ben non, parce qu'on n'en passe pas notre temps à la plage. Voilà. On n'est pas en vacances. » Donc, et les salaires, est-ce que tu as une idée des prix des salaires à partir de combien gagne un enseignant à BCIS? Oui, alors on est toujours une jeune école, donc ça grandit. On est sur à peu près entre 65 et 80 000 bahts. Donc, je mettrai en euros. Voilà, c'est à peu près 1700, 2000 euros par mois. Ouais. D'accord. Les enseignants, donc, tu remarques qu'ils restent combien de temps? Souvent, est-ce qu'ils restent un an ou est-ce qu'ils restent, tu vois, des gens qui sont après super contents de leur expatriation, de leur expérience et qui veulent rester? Ou est-ce qu'il y a aussi des gens déçus qui vivent quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, pas forcément par rapport à l'école, mais par rapport à la vie en Thaïlande? Oui, alors, on a des irréductibles Gaulois qui sont là depuis avant BCIS, les professeurs. Nous avons des professeurs qui ont commencé à BCIS, ils ont pris notre expérience dans notre école et qui sont revenus. Et puis nous avons aussi, comme tu le dis, des professeurs qui ont été déçus. Alors c'est surtout au début de l'école, puisqu'en fait, quand tu es dans une école aussi dynamique et qui part d'une feuille blanche, bah, il faut être un professeur bâtisseur. Donc on part d'une... Il faut s'impliquer plus dans la construction. Il faut écrire tous les process, il faut écrire toute la structure. Il faut être professeur bâtisseur. Oui. Donc c'est pas donné à tout le monde. Il y a des professeurs qui aiment bien des établissements qui sont dits arrivés à maturité et donc où l'infrastructure est établie. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce que l'école propose et de ce que tu as envie, de ce que tu as eu envie de créer dans cette école. Et je pense que voilà, c'est en train de se faire et que ce n'est que le début, hein, parce qu'au final, oui, ta petite école que tu avais en tête au début, là maintenant, c'est en train de devenir une très très grosse école et ça va continuer de se développer. C'est ce que je te souhaite. En tout cas, si vous êtes intéressé pour mettre vos enfants à l'école BCIS, bah, je vais mettre bien sûr tous les contacts et voilà, là, vous avez un site internet de toute façon, donc je mets tout ça dans la barre d'informations. Écoute, merci beaucoup Laurent. Je t'en prie, Cathy, tu es bienvenue. Merci pour ta positivité. J'apprécie ton sourire et voilà, ce que tu fais partager avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bonne journée. Oui, au revoir. Toi.